I think we are a very good group, and there are some new friendships here, and I enjoy being here. Donc là, nous avons un groupe de 13 jeunes. Ils ont entre 14 et 17 ans, avec deux exceptions de jeunes filles qui ont 19 et 20 ans. Donc on a 4 Allemands, on a 2 Italiens, 2 Turcs et 5 Français. Et donc en plus de ça, on a cette semaine 7 Français qui viennent de Tannes et des environs, qui viennent avec nous sur le chantier. Tous les matins, pour les mettre en forme, déjà on arrive à pied depuis la maison de la musique. Donc ça leur fait 20 petites minutes de marche. Et ensuite, on va chercher les outils là-haut et on redescend. Donc ça leur refait un peu de dénivelé. Et ensuite, on attaque le terrassement. Donc à la pioche, on décape toute la végétation, là, les racines, les herbes. Bon, en faisant gaffe quand même, parce que je leur ai signalé ce qu'il fallait qu'on conserve. Et on remplit des seaux et on trie. Alors on fait un pierrier en bas avec les pierres et un tas de terre végétale plus loin. Parce que ça aussi, c'est une demande particulière de minéraliser au maximum le site. Io sono italiano, vengo da Roma e questa non è la prima volta che vengo in Francia, ma è la prima volta che vengo in Alsazia. Penso che cioè, mi piace molto come regione, ci sono delle belle città e dei bei paesaggi. Ah, io mi sto divertendo molto, cioè, i primi giorni sono un po' noiosi perché bisogna conoscere le persone, però poi quando si conoscono è divertente. E il fatto di lavorare è faticoso? È molto faticoso, però poi ci divertiamo. C'est plus un chantier, je dirais, qui permet à des ados internationaux de se retrouver, de découvrir une ville. C'est plus une, je veux dire, une occupation avec à la clé un travail qu'ils auront fait en commun, quel qu'il soit, quoi. Et ben, notamment, vu que c'est un travail physique, c'est vrai que c'est de l'effort partagé en commun, donc c'est toujours ça de pris. Ils aimeraient à terme, d'ici quelques années, au fur et à mesure des chantiers, retrouver la morphologie du site initial du temps du château. Donc c'est-à-dire que toute la terre avait été évacuée pour être utilisée sur des terrasses cultivées, et que donc à l'inverse, la roche volcanique ici était à nu, quoi. Jusqu'en gros au 17e où la tour a été dynamitée, où donc les gravats sont revenus et ont amené de la terre, qui ont amené des espèces végétales locales qui sont réinstallées. Et ben, du coup, ça nuit à des espèces exogènes en fait, qui avaient profité des plusieurs siècles où la terre où la roche était à nu pour s'installer, et notamment des espèces méditerranéennes ou même plus lointaines. Et par exemple, on a juste ici, mais également là derrière, plus loin, un bagnaudier, donc une espèce qui a apparemment été localisée ici depuis avant 1914, mais qui est très rare et qui ne devrait pas se trouver là. Je connaissais l'Angelbourg comme une ruine, mais là on retrouve des... On le restaure, donc on peut redécouvrir en quelque sorte. Évidemment, sur une démolition, on trouve des traces, quoi, toujours. Par exemple, des carreaux vernissés, donc soit des carreaux de sol, soit par exemple des carreaux ouvragés, donc moulés avec un moule en bois, qui étaient des carreaux de poêle alsaciens, donc des carreaux de poêle en céramique, et avec un motif vernissé. Donc là, c'est une glaçure verte typique du 15e et 16e siècle, un peu 17e aussi. Et à l'inverse, derrière, le carré devenait un cylindre, en fait, un pot, quoi. Parce qu'on supposait à l'époque que la cavité remplie d'air conservait mieux la chaleur. Mais après, ils se sont aperçus qu'en fait, non, c'était pas thermiquement, c'était pas plus intéressant. Donc soit ça vient du château, soit ça vient d'une maison autour
qui avait quand même des bons revenus, quoi. Qui avait plus qu'un feu à l'âtre, quoi. L'autonomie des jeunes est un des points forts du chantier. C'est vraiment le but de les responsabiliser et qu'ils soient autonomes dans la vie quotidienne également. Donc on organise des roulements pour notamment la préparation des repas. Par groupe de deux ou trois, ils choisissent eux-mêmes la recette. Nous font une liste de courses qu'on va faire ensemble et ensuite préparent les repas, ils font la vaisselle. Ils mettent tous la main à la pâte. Ils savaient que ça se passerait comme ça. Ça, c'est vraiment un des éléments qui fait partie du séjour, qui met de la main à la pâte. Donc c'est très important pour nous qui participent et qui participent de bon cœur. Et il se trouve que ça se passe très bien. Ils sont tous motivés pour faire à manger, pour faire découvrir aux autres une recette qu'ils ont envie de faire. Donc c'est très intéressant pour les jeunes qui aient différentes nationalités puisqu'ils apprennent d'une part à parler entre eux dans une autre langue, donc c'est surtout l'anglais qui est utilisé là. Et puis donc on a remarqué qu'ils s'entendaient tous très bien dès le premier jour, donc c'est devenu un groupe très, très soudé. Donc je pense que c'est une expérience très enrichissante pour eux, ils sont solidaires et la vie en collectivité se passe vraiment très bien. Que ce soit sur le travail ou la vie quotidienne sur le centre.